Il y a déjà eu plus de 800 morts depuis le début de l'année. La Méditerranée est devenue un cimetière. Donc il faut à tout prix. Ma proposition, j'insiste là-dessus, elle a qu'une dimension humanitaire. Respect du droit maritime international. Il faut, c'est un devoir d'assistance à personne en danger. Il s'agit de sauver des vies humaines. Et après, il appartiendra aux autorités, eh bien, de régler le problème des réfugiés politiques, de voir dans les meilleures conditions humaines. Justement, est-ce qu'on sait si ce sont des migrants économiques ou des réfugiés relevant du droit d'asile à bord de l'Aquarius? Personnellement, j'en sais rien et je ne crois pas que l'Aquarius soit en capacité de le dire. Mais vous savez que c'est là qu'est le curseur pour le gouvernement actuel. Je pense que le gouvernement actuel s'honorerait en disant, devant le refus des autres pays les plus proches, s'honorerait en disant, eh bien, c'est dans du port de la Méditerranée française. Ça peut être, d'ailleurs, je viens d'entendre que Talamoni, la Corse propose également. Comme la dernière fois, effectivement, comme il y a deux mois aussi. Oui, comme mais ça peut être Marseille, ça peut être... Moi, j'ai dit 7. Si on me dit c'est trop loin, 7. Mais c'est pas plus loin que Valence, l'Espagne, la dernière fois.